Salut à tous les amis, c'est Alex Tech et Falco. Yop. Pour un nouvel épisode de la série hors série. La série hors série, qui n'a pas de nom. Exactement, bah si. Je sais pas si on lui donnera un nom en fait. Non. Enfin, genre construction des accoudes, tout comme ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va déjà, vous voyez, hors caméra, on a terminé l'angle de l'autre. Donc on l'a fait à deux, donc c'était beaucoup plus vite. J'ai terminé aussi la deuxième entrée. Voilà, et Falco a remarqué un petit détail fort gênant sur. Alors attendez, je vais vous montrer. Ouais, c'est trop cool le dé à coudre. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il va falloir faire jarter ce truc-là. Ouais, ou non, ou alors le réduire au pire. Oui, enfin le réduire, mais. Faut une échelle à faire. Par contre, ne pète pas les trois blocs qui sont là-haut, s'il te plaît, parce qu'ils sont importants. C'est la limite. Ça sera la limite du. D'accord. Plongeoir, voilà. J'allais dire sautoir, mais je me suis dit non, c'est pas français, sautoir. Je sais pas, mais ça fait un peu confusion. Ouais. Oui, voilà. Plongeoir. C'est comme quand tu dis un bésodrome, c'est pareil. Un quoi? Le bésodrome. C'est quoi? C'est dans ça, c'est dans le dîner de cons, il fait le bésodrome de Menot. Ça me dit rien. Bah, ça, genre en gros, le Menot, en fait, c'est un mec qui nique toutes les bonnes femmes, tu vois. Et genre, sa maison, le type fait, oh alors, où est-ce qu'il est, ce bésodrome? C'est complètement con. Ouais, mais quel bon film. Ouais. Bah, le dîner de con. Enfin, bref. Là, je continue ça. Faudrait que j'arrive à donner du relief, parce que, regarde, dans la tour, en fait, j'ai mis du... Enfin, j'ai fait l'entrée, machin. Ouais. Mais... Comme elle se démarque pas assez, on va essayer de lui remover de mec. Waouh! What the fuck? Ah, Charles, il a enlevé des. Bon. En fait. Ah ouais, putain, il y a plein de gens qui se sont connectés à son serveur en fait. Mais je disais, on va lui donner un peu plus de relief. Oui, voilà. Donc, alors, en fait, je viens de trouver une astuce en fait pour te filmer toi et pouvoir construire en même temps. C'est-à-dire? Bah, je me filme, F5 Non, je me mets dans cet angle-là et puis je construis. Ah, d'accord. Tout simplement. Ok. Et c'est fort pratique. Fort bien, fort bien. Voilà, exactement. Bon, là, je vais filmer un petit peu. Là, on donne du relief en avançant des piliers, tout simplement, comme ça. C'est un truc. Des mini-arches, ouais. Truc à la con. Et ensuite, il va falloir se démerder pour donner plus de relief. Je pense que je vais essayer de garder un peu le principe que j'ai utilisé tout à l'heure, à savoir faire comme un petit toit, en fait. Oui. Qui vient surplomber le truc, sans que ça interfère avec le plongeoir. Donc en gros, faut pas que ça dépasse cette limite là quoi. Ouais. Hop. Donc on va mettre ça comme ça. Si je mets ça là. Hop. Oui, c'est bon. C'est ça. Hop. Tac. Tac, voilà. Donc je fais un toit de manière à... Enfin, qui a un angle deux fois plus grand que 45 degrés, donc ça fait... Attends, 40... 60... fait 67,5 degrés, si je dis pas de conneries. Un angle à 67,5 degrés, si je dis pas de conneries. De manière esthétique, tout simplement, enfin, pour des raisons esthétiques. Alors, laisse-moi juste apporter une touche de relief, peut-être que j'aime beaucoup faire. Vas-y, vas-y. Regarde, peut-être que ça pourrait... Relativement bien. Oui, sauf que comme non. Le toit va venir s'avancer. Ah non, peut-être pas. Bah, ah non, je vais peut-être pas l'avancer comme tout à l'heure en fait. Écoute, mais c'est vraiment pas bête. Alors, au pire, je les enlève, tu les remettras si tu veux. Au pire, voilà. Il va s'avancer. Non, mais tu m'as donné une bonne idée par contre. Si on les met là, si on les met là, et que ensuite on met des blocs comme ça ici pour délimiter un peu le truc. Très bonne idée, et même en faisant ici comme ça. Ouais,
D'ailleurs, je vais mettre des escaliers aussi ici, là. Hop. Voilà. J'étais formidable. Tu sais qu'il est bourré dans Paris, tu sais, le clip de merde. J'étais formidable. Et voilà. On va essayer de cloisonner quand même le truc. Hop. Arrête à la charpente maintenant. Dédé, amène la charpente! Le couvreur, il m'a parlé de toi. Ah oui. Oui, je sais, l'électricien m'a dit qu'il était au courant. J'ai vu une vidéo, faudrait que je te la montre. C'est un présentateur qui s'est pas fourré sur une émission avec des handicapés. Ah oui, je l'ai vu. C'est pas c'est une émission française. Même pas, je crois que c'est russe ou américain ou peut-être plus espagnol. Je sais pas, mais genre, Je le crois que j'ai mec, déjà en vu. fait, c'est ceux qui ont des problèmes de voix, en fait. Et il y en a Genre, pas un qui rigole pas du tout. Enfin, genre, il voit l'autre rigoler, mais il rigole pas du tout. Enfin, ça le fait pas rire, en quoi. fait, t'as un public, t'as un présentateur et t'as deux invités. Genre, la première, elle est en fauteuil roulant, elle pleure et tout ça. Et le deuxième, il a une voix hyper aiguë. Il parle comme ça, tu vois. Et genre, le mec, Ah dès oui, qu'il je entend crois que parler, il j'ai fait. vu. Et puis, il se fout trop de sa gueule. Putain, mais c'est... Ça doit être affreux, t'imagines? Non, mais genre, Tu peux genre, avoir la vraiment, honte de enfin, ta vie. le pire, c'est Mais en même temps, en tu peux pas moment, te le contrôler, mec, quoi. c'est genre, il a un fou rire, et puis. Pour ce qu'il y a le médecin, il fait, bon bah, on va interroger quelqu'un dans le public. Et genre, Ouais. le mec du public qui l'interroge, c'est un mec qui a un cancer de la voix puis qui a une machine. Et il parle comme ça, tu vois, du coup, il s'est encore poussé une barre. Putain, c'est abusé. Franchement, elle est trop débarrassée, la vidéo. Je vous la mettrai Allez. dans le lien de la description si vous voulez, mais croyez-moi, ça vaut le détour. Elle dure 5-6 minutes, mais franchement. Genre, ils l'ont pas viré le présentateur. Enfin, je veux Ah dire, ils l'ont si, pas. après il s'est fait virer. Hein. Oui, non, mais j'imagine, mais je veux dire pendant l'émission. Enfin, je veux dire, Bah c'est. non, c'était lui qui gérait tout, si vous voulez. Donc Ah ouais. il pouvait pas, quoi. C'est genre, c'est comme si tu vas mettre Jean-Pierre Pernaut qui Oh s'en en a le bar, tu vois. Ils là peuvent pas le virer, quoi. Genre, tu sais, genre, t'es en pleine émission, tu veux pas venir va venir un grand noir, genre Harry Rosenmack qui va le virer par la peau du cul, tu là. vois. C'est pareil, Oh, tu tu vois. dégages. Bon, j'ai le boulot, tu t'en vas maintenant. Ouais. J'ai le boulot. Ouais, dédicace à Alors, je lui. pense que ce qu'on va en À chier après, George. par contre, ça va être pour relier les gradins avec les entrées, ça va être casse-couille. Je vais quand même faire un petit truc qui... Une toute petite avancée. Hop. Mais là, la tour, elle est assez uniforme, en fait. Hein. Ouais, mais elle est pas finie. Oui, j'espère. Parce que là, en fait, vu que je sais pas quoi faire, je me concentre un peu sur ta tour, parce que moi, je suis à court d'idées, là. Je prends la pause déjeuner, tu sais. Et voilà, ça ne dépasse pas. En fait, non, ça rend pas super. Bon, j'ai une idée pour combler ces détails-là. Hop. Déjà, si on va l'avancer au fur et à mesure finalement. Voilà, on va la faire s'avancer. Hop. Deux, trois. Comme ça, non? Comme Comment? ça? Non, comme ça. Attends, 2 minutes. Peut-être, je sais pas. Ouais, éventuellement. Enfin, je sais pas, moi je propose. Il se purpose. Tu reposes. Alors pour l'instant, je vais essayer de faire un système de fermeture, enfin, de sécurité, on va dire. Pour cela, donc. Hop, essayons avec cela pour voir ce que ça devrait. Hop, Ah ouais, mais ça fait chier, en fait. donc on vous rappelle le principe, c'est une construction en totale improvisation d'un dé à coudre. Parce qu'on avait envie de faire une partie de dé à coudre, donc on se dit bon, on va en construire Oui, parce un. qu'en fait, nous, à chaque fois qu'on fait une partie, il faut qu'on en construise un, si vous voulez. Voilà. Alors, par contre, je suis à moitié en train de galérer. Bien sûr que si, t'es un galérien. Dis pas les noms, Narvalo. Je vais demander un petit truc. Tiens. D'où tu donnes les noms, Narvalo? Regarde.
Avec des What houppelures, the mais. fuck? Je trouve ça bizarre, mais bon. Ouais, aussi. Ça aurait pu être éventuellement bien, mais. Mais non. Ouais, enfin, c'est Non, pas là, différent. quoi. C'est différent, disons. Et voici deux noirs. This different. Ne disons pas la suite de cette blague. Voilà. Pas sur YouTube. Non plus, je l'ai dit juste avant. Donc. On va éviter, hein. Ouais, non, parce Il y que en a qui ça ont se fait. essayé, ils ont eu des problèmes alors. Non, ça se fait pas. Même si c'est tentant. Oui. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Enfin, quand tu vois le truc la première fois, ça surprend. Enfin, c'est. Faut pas le montrer. Dans la vidéo, c'est. Tu t'y attends pas, quoi. Ouais, faut pas le montrer aux enfants, quoi. Salut à tous, les petits amis. C'est toi! Ne parle pas, je te dis. Non, mais. Je veux pas qu'on ait des problèmes à cause de ça, d'accord? Ah, j'avoue, j'avoue. Bon, oui, tiens. Mais si vous avez deviné, on le respecte en plus. Je dis ça, mais. Oui, c'est pas une question de. Question de quoi que ce soit. C'est même pas Donc une là, tu vois, je suis en question. train de foutre des trucs de chaque côté, en fait. Il s'en fout. Non, excuse-moi, non, Garde-toi. merde. Voilà. Ah oui, t'as fait une fenêtre en. Comme ça, ok, d'accord, en croix. Non, c'est pas ça que je voulais dire en fait. Ah bon? C'est pas ça que ce dont je te parlais. D'accord. C'est que en fait, regarde, je suis en train de refaire le même toit, mais sur le côté. Ah oui, j'avais pas vu, oui. Effectivement, ça fait sympathique, oui. Ah oui. Oui, c'est très sympa. Moi, je suis en train d'essayer de galérer à faire des barrières. T'es en train d'essayer de galérer. T'as vu ça? Tu galères à essayer plutôt. Ouais, pardon, bref, tu m'as compris, quoi. Non. D'accord. Alors, attends. Pardon. J'ai eu un Quel. vieux hoquet là. Mince. Mince, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada, quelques boissons. Mince, rafraîchissante. Je suis pas bourré, Déjà, ok? ça veut dire je suis bourré, déjà, tu sais. Ouais. Quand un mec te dit ça veut tout dire. Ouais. Ah, vas-y, je suis pas bourré. Tu en déduis donc qu'il est bourré. Exactement. Je suis pas bourré. J'ai juste trop bu. Ouais. Le mec qui s'est connecté, il aurait pu dire bonjour. Bon, non, mais ce mec-là, c'est pour l'avoir vu en vrai, tu sais, c'est pas. T'as pas envie de le voir, tu sais. Il vient chez toi, mais t'as pas envie. C'est. C'est un ami à Charles, il est très très spécial. Ok, donc je crois que quand j'ai crié Tartiflette et Samouraï tout à l'heure, ça leur a pas plu sur Skype. Donc ils m'ont jarté du groupe. C'est con, C'est quand, hein? bon, ben, pour l'instant, on va mettre comme ça parce que je sais pas trop. Du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi ils t'ont jarté du groupe? Je fais, j'en sais rien, je m'en fous. Bon, bah écoute, on va voir ça plus tard. Hop. La CPS, mais il se passe pas grand-chose, tu sais. Oui, j'avoue. Y a toujours un épisode comme ça sur une série. L'épisode pas obligatoire. Toc. Je veux dire, à tis-toi cheveux gras. Je veux dire ça. Ah mais c'est genre t'as l'impression qu'il se fait des shampoings à l'huile, c'est en vrai. Tiens, genre il va McDo, il prend de l'huile et puis il se fait un shampoing avec. Ce mec là en vrai c'est ça, genre il a les cheveux longs. À tis-toi. Attitude. Ça, c'est purement normand, ça. Ah ouais mais ça fait tellement Attitude. rire, c'est genre. Juste l'employé, ça fait rire ce mot-là, c'est genre. Ah, tis-toi! Attitude. Attitude.
Genre, c'était dans ses avec mon petit frère, tu vois, genre, il y avait une fille qui l'avait ajouté un ami sur Facebook. Genre, j'y prends son iPad, tu vois. Et j'envoie un message, je Genre, sais il a même un la fille, elle iPad. était... Ouais, elle a un iPad, complètement con, Putain. d'ailleurs. Genre, tu sais, genre, la fille qui l'avait envoyé la demande, tu vois, genre, j'arrive, je prends son iPad, je fais « Attis-toi, la moche !» J'envoie ça par message. Ah non. Ah oui, non, mais... C'est après, il y a eu vu, mais il n'y a pas eu de réponse. Ah, c'est mortel. Là là. Et dis-toi la moche. À titre, ouais. Donc. En fait, sur tes entrées, en fait, t'es bien gentil, mais ça, je peux pas faire continuer, en fait, parce que t'as juste fait genre des trois colonnes qui montent et des angles. Quoi? Je dis en fait t'es gentil avec tes colonnes, mais je peux pas faire quoi que ce soit avec. Bah si. Ah ouais. Non mais t'essaies de combler ou alors tu fais s'arrêter le gradin jusqu'ici et puis Bah, tu ce que je vais kiffes. faire au final, parce que... Puis tu essaies de combler par quelque Par chose, hein, contre, qu'esthétique, j'en sais wax. rien. Tu me brasses les couilles. Casse les ouvertes, quoi. Non, non, mais laisse, vas-y, arrête tes gradins ici et puis je m'occuperai du reste. Vas-y, pas de soucis. Vas-y. Vas-y, J'ai l'impression qu'il fait du message, l'administrateur, là. Banal IP adresse, renouvelle from whitelist, tout ça, là. Ah, il y va, là. bah, il a raison. Exactement. Alors, il t'a dit s'il était bien banni ou non? Bah, je sais pas, j'ai pas de nouvelles, on va voir. Un avis va bannir toutes les IP qu'il connaît pas. C'est genre le mec, il connaît toutes les IP de ce joueur par cœur. Déjà. Non, Je c'est les ai pas. suivis. Ah, j'ai pas fini cette partie-là. Hop, mince. Hop, hop. Et hop, l'escale. Là, c'est le truc que je sors à chaque vidéo, même sur comment bien construire ce Minecraft. Donc À je sais chaque fois, pas ce je que t'en sors ça. penses, regarde, j'ai essayé de faire un système de barrière complet, tu vois, mais je sais pas ce que t'en penses. C'est facile à faire. 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes. Je galère à faire ça. Ça, c'est une sécurité, je galère à le faire. Suis en train de reproduire ce truc-là. Hop. Putain, putain. Hop. Putain. Putain. Quoi, les ça là? Avec les Ouais, dalles? ouais. Ouais. Sauf que ouais. C'est très. Ah! J'aurais pas fait exactement comme Ouais, bah ça. j'ai C'est pour pas ça que je trop vais devoir la compris. retirer. Ah, celle-là, tu crois? Non, peut-être pas en fait. Ouais, non, c'est... Ouais, bah écoute, tu peux laisser comme ça pour l'instant. En fait, c'est surtout le bloc là qui me gêne en fait. C'est. Ouais, mais... Facile en même temps. On verra à la fin, au pire. Si tu remets une On enclume les laisse comme peut-être. ça, on verra à la fin. On verra tout à la Non, mais fin. ces quatre-là, de toute façon, je te dis, il met pas ça à faire de trop. Ouais, non, mais on verra ça à la fin. Oui, au pire. Parce que pour Eh, mais l'instant, attends, c'est pas encore il y a une clé dans le nécessaire. pâté là, non? Ah, ils sont pas placés au bon endroit en fait. Ouais. T'avais mal placé tes enclumes. Excuse-moi. Non. Oh, non. Bon, bah ça Ça commence commence à... à prendre forme là. Ouais, je pense aussi, je suis... Tiens, ça y est, ça s'est reconnecté. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Falco. Pour moi, ça ressemble à quelque chose. Je vais commencer peut-être l'escalier pour monter tout en haut du fil à coudre. Oui. Alors, par contre, L'escalier, ou alors, attends, non, on il n'y a va pas un faire moyen aussi... de téléporter avec un commande bloc. Ah, si, mais ça, c'est Charles 14600 qui sait le faire. Bon, bah, je crois qu'on Donc, de va toute le façon, on va solliciter arriver pour cette vidéo. à la fin de l'épisode, donc c'est parfait, on va voir avec lui. Ça tombe bien. Donc, d'ici là, je vous dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des j'aime, à vous abonner, à nous rejoindre sur Facebook. Ok. Allez, à toutes. Tchou! À plus.